Allez. Le jeu va pas me tuer. Coucou Taos. Bon, c'est parti, hein. Luc et le professeur parviennent à ramener Claudia au manoir. Ok. Bonsoir, Brice. Mais l'horreur a frappé. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Shelmay attend Layton et Luc de pied ferme. Averti du meurtre, il s'est aussitôt rendu à Saint-Mystère pour mener l'enquête. Selon lui, Layton et Luc font partie des suspects. Peu de temps plus tard, un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon, disparaît. À la demande de la baronne, Luc et le professeur se mettent à sa recherche et enquêtent au village. Allez, c'est parti. Ce chat tourmente encore cette pauvre souris. Ouais. Alors, d'après Enfenzo, c'est... Alors. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois... par portée de 12. Ok. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un des souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Ah ouais, une multiplication. Attendez. J'ai un carnet normalement? Ouais, j'ai un carnet. Alors, c'est parti. Bravo, je m'en vais. Non mais attends. Attends, ça va aller, ça va aller. Alors. C'est parti. Donc. Donc, une fois par mois. Donc, une fois par mois, elle fait 12 bébés. On a 12 bébés. Ok. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Et au bout de 2 mois, ils peuvent faire des bébés, ok. Vous avez acheté un des souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10... Donc au bout de 10 mois, elle a fait combien de bébés? Donc déjà 10 mois. 12 fois 10. Donc 12 fois 10. Déjà, la première, elle a fait 120 bébés. Ça, c'est sûr. Elle a fait 120 bébés. Mais... du coup, les 120 bébés... Attends, ouais. Oh là, Diggy. Attends, faut que je réfléchisse. Carrément. Non, mais t'inquiète, je regarde pas le chat. Vous pouvez parler, hein. Je vais pas regarder les réponses. Je vais pas regarder. Puis de toute façon, généralement, vous dites pas les réponses. Attendez. Donc, 120 bébés. Donc, sur la première, elle a fait 120 bébés. C'est déjà ça. Je suis incapable. En sachant qu'au bout de 2 mois, les bébés, ils peuvent se multiplier encore plus. Non mais John, non. Non John, commence pas. Parce que je te jure, John, demain, je crame toute la maison. si on construit une cabane, je la brûle. Coucou, Ginji. Attends, bon, sûr, on a 120 bébés, mais le problème, c'est qu'au bout de 2 mois, le bébé peut procréer, donc... je vais brûler la forêt. Attendez. Là,
Bah, c'est bon, je peux me débrouiller, Jonah. Arrête, tu mens, t'as pas la réponse. Arrête. Arrête. Mais quel menteur. Nikos aussi, il fait pareil. Hein. Non, Diggy, me dis pas que tu sais. Diggy. Non, moi, je sais pas. Vous avez calculé aussi vite? J'aurais dit 240, peut-être. Ah non! Non, bah non. Ou 120 fois 120, mais c'est quand même beaucoup. Mais Brice! J'ai déjà lu l'énoncé. Puis j'ai plus de pièces en plus. J'ai plus de pièces SOS. Alors, les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Ok. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois. Ok. Par portée de 12. Les souris sauts deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souris sauts le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Donc, 12 fois 10, déjà, sur... Elle a fait 120 bébés, elle. Oublie pas que c'est un choc à proposer l'énigme. Et les chats aiment pas les souris. Mais quoi? Calcul, bah je fais que ça de calculer, mais je vois pas là. Bah ouais, qu'est-ce que tu dis à peine ça? Bah c'est ce que je fais, j'ai la calculette. Oh, puis j'ai plus de pièces. Pense à la pagaie, mais de quoi la pagaie? Ouais, le bateau, il pouvait pas se déplacer tout seul, alors fallait une personne dessus, c'est ça? Mais c'est quoi le rapport avec la souris? Et donc quoi? Bah quoi? Réfléchis bien. J'ai un doute, mais je pense pas que c'est ça. Ça serait pas ça. Mais je sais pas. J'ai un doute là. Et est-ce que le jeu il est perfide? Ah, comment on fait des bébés? Bah, je sais. Mais John! Bah, je sais pas, mais. Bah, dis ce que tu penses. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Parce que ça serait vraiment un trop gros calcul pour un jeu d'enfant. Donc, il doit avoir un truc, en fait. Ça a l'air trop compliqué pour ce que c'est. Oh, là, Matnik. Oh. Est-ce que le jeu est perfide? Non, mais t'as encore coupé qui visait les genoux ce matin. Non, c'est ça, donc il y a un piège. Donc, ça doit être un calcul plus simple. Comment on fait les bébés, c'est un indice très très lourd. Bah ouais, bah ils font des bébés au bout de combien de mois? Ouais, au bout d'un mois, elle a une portée et ça fait 12 bébés. Voilà. Je viens de voir. Bah oui, elle peut pas toute seule.
Mais c'est naze, vas-y, ça me gave, c'est pas ça. C'est ça. Elle peut pas, en fait, parce qu'elle est toute seule. Mais qu'est-ce qu'on se marre? Bah, elle peut pas, donc zéro. Bah non, bah j'en aurais qu'une. Ouais, j'en aurais une. Attends. J'aurais qu'une souris. How does this sound? Trop drôle, ouais. C'est marrant. Non, mais ça me gave ce genre de jeu, c'est naze. Votre souris ne peut pas procréer toute seule. Oh, bah ouais. Correct, excellent travail, Luc. Ouais, commence pas, Bella, s'il te plaît. Bah, tu sais, Nekio dirait que c'est possible. Hein. Je suis sûre que Nekio il trouverait une réponse à ça. Donc, alors. Aïe aïe aïe. Il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme. Quoi? Mais non, mais. Oh non, pas ça! Un seul trait! Non! En suivant ce principe, regardez, ne peut pas être tracé. C'est ça. Mais John, c'est la sensation que j'ai, c'est horrible. Mais du coup, non. Voilà le retour. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on se marre. Ah, lui on peut. Apparemment on peut lui. Toi tu peux. Ok. Donc toi. Ah, c'est ça Fenzo. C'est bouli des chiffres et des lettres. Donc. Non mais parce que le jeu, j'ai envie de le finir parce que si je le reporte tous les dimanches, à un moment je vais l'oublier et je vais m'en débarrasser. Et j'ai pas envie de faire ma lâche. Ah, lui j'ai pu le faire en un seul trait, ok. Donc toi et toi c'est bon. Elle est peut-être la maison comme la dernière fois, non? La maison, j'ai pu la faire. Mais non, t'inquiète. Non, non, je le fais là comme ça, c'est mieux. Oh, Tiggy. Ah, ok. J'hésite entre la maison et les lunettes. Ah, j'ai l'impression d'avoir. Ouais, la lunette, j'ai réussi à les faire aussi. Ok. Ah, mais non. Ouais. Cause toujours. J'hésite entre la maison et... Bah la maison en fait. Ouais, je dirais la maison moi. Bon bah je vais prendre la maison hein. Well, here
I guess. Ah, non, c'est pas la maison. I've let you down, Professor. Mince. Ouais, du coup, t'en as éliminé deux. Ouais, ouais, le... De quoi? Ouais, les lunettes, j'ai réussi à les faire. Je sais plus si lui, j'avais réussi à le faire. Attends, je réessaye le chapeau, j'avais un doute. Ah, lui, j'ai réussi à le faire. Ah, bah non. Le chapeau. Je dirais le chapeau. Je sais pas. Parce que lui, comme il y a un trait au milieu, ça a l'air d'être faisable. Non, vas-y, je fais le chapeau. Je dirais le chapeau. Et si c'est pas le chapeau, c'est le nœud papillon. Ouais. Ah. C'est bon. Allez, salut. Ouais, bravo. Hein. Qui demande? Oh non. Non, Neka, je le mettrai pas. Ah bah ouais, j'aurais dû mettre le chapeau de Leighton. Je l'ai pas. Je suis bête. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur. Désolée de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec. S'il te plaît, toi, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là, vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez... Moi, j'ai pu parler à personne si ça continue. Alors, vous vous trouvez sur l'archipel de Kuei et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Waouh, la vache. Ah. Ah ouais, il faut savoir... Ah oui, oh punaise, puis je peux pas tracer. Déjà, Venzo? Tu chômes pas? Bon, déjà sûr, je pars de là, comme ça. Hop, hop, hop. Je le construis là. Je dirais là. Luke, here's my answer. Ouais, putain, je suis trop fort. Another puzzle solved. Ouais, c'est bon. Ah. Allez, où c'est allé visiter ces îles paradisiaques? Ah, c'est bon, John, on a compris. Oh là là. C'est marrant, hein. T'étais content hier de faire la réacte, hein. De faire le malin, là. Moi aussi, je vais faire des réactes sur ton stream.
Attendez, j'arrive. Hein. Je mets le chapeau. Sinon, Nekos, il va bouder. Je suis le beau pomelo. Je teste, hein, je sais pas si ça marche. Je vais voir. Voilà. Oh, punaise, si ça marche, ça serait cool. Oh waouh, waouh, waouh. Le problème c'est que c'est un chapeau de forme en fait. Attendez, ouais, faut que je me mette comme ça. Voilà. Ah là, ça fait bien moche. Ah, ça fait trop moche. C'est parfait. Attendez, non, attendez, je le remets bien. Attends. Ah, il est moche. Ah, il est moche le chapeau. Voilà, parfait. Voilà, je suis belle. Waouh. Ouais. Ah ouais. J'ai l'air intelligente là. Ouais, j'ai grave l'air intelligente là. Ah ouais, génial. Je savais, un collègue détective. Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Ah, il est moche. Bah, il est moche. Eh, je l'ai trouvé vite fait comme ça. Moi, Nekos, il est content. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je ne laisse jamais filer. Ça sert à quoi les bricoles? Il est content. Bah toi aussi mets des chapeaux, John. Ah. Oh bonjour jeune homme. Nekos catholique. Jiggy. Elle commence, ça y est. Oh bonjour jeune homme, dites, auriez-vous vu à tout hasard une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci. Et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous allez bien m'aider à résoudre un petit problème? Ah, merci, Mooney. Voilà, c'est bon. Bon bah c'est parti. Ne mets pas juste les émojis. Laisse Nekos, Belaf, laissez. C'est quoi ça? Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. C'est ça. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, ceci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces, qui seront tirées vers le haut? Combien de pièces allez-vous gagner? Ah ouais, les pièces qui sont tirées vers le haut. D'accord, je fais comment? Tu devines comment, là? Ah oui, attends, lui, il est baissé vers le bas. Je crois qu'il faut regarder juste les angles, en fait. Lui, t'es tiré vers le bas aussi. Toi, t'es tiré vers le haut. Toi, vers le bas. Toi, vers le bas. Pop. Vers le bas aussi. Le bas. Le bas. Le haut. Ah, le haut. Le bas. Le haut. Le bas. Le haut. Le haut. Le bas.
D'accord. En fait, je pense qu'il faut juste regarder les courbures, je pense. Celui-là, c'est sûr, c'est mort. Je vais faire des croix quand c'est sûr que c'est pas ça. Donc, ouais, ça, c'est vrai, Brice, c'est vrai, ça m'aurait bien aidé là. Je suis sûre que ça a à voir avec les courbures. Je suis pas sûre, mais ça a l'air, non? Donc une. Je réponds au hasard 22. Je sais que c'est pas ça. There we go. C'est ça? C'est 22? Non, c'est pas 22. Bon, j'avais l'espoir. How embarrassing. Bon, bah tant pis. On recommence. Ouais, ouais, puis j'ai pas de pièces. Tu crois? Peut-être, hein, Fenzo est. Bon. On commence. Mais oui, bien sûr, ouais, ouais, je vais tenter tous les chiffres, t'as raison. Alors. Je suis sûre que ça a à voir avec les courbures. S'il est peut-être que si les courbures sont vers le haut, vers le bas. Bah alors, Alfenzo. Bah voilà, j'avais raison. Bon, bah on recommence, hein. Après, attendez, peut-être que si je prends un indice, ça va m'aider. Allez, aide-moi. Il n'y a pas de piège, il suffit de se montrer consciencieux. Les polaires. Faut que j'arrête de demander des conseils, hein. Ça sert à rien. Bon. Alors.
je vais faire. Attends, où est-ce que... Ah, mon jeu, il est un peu trop décalé. Ah oui, c'est vrai qu'on voit pas comme. Attendez. Faut que je déplace. Voilà, comme ça. Hop. Aïe, oula, aïe, aïe, aïe. Attendez. Si, mais au moins comme ça, vous voyez tout. Enfin, là, vous voyez plus rien. Attendez. Là. Attendez, hein, je règle. Voilà, comme ça. Brice, il est content. Et nous aussi. Voilà, parfait. Voilà. Ça y est, Nick. Ça y est, Brice. Hop, je déplace. Attendez, hop. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, parfait. Voilà. Parce que toi, Brice, c'est comme ça. Elle allait dire. Moi, j'ai dit Nekos, mais Nekos, il fait dodo là. Bon, on y est alors. Dodo, ouais, dodo, Nekos. Ok. Toi, la courbure vers là. Ils auraient dû un peu changer les sons d'énigmes parce que je commence à rêver de la musique la nuit quand je dors. Et je me sens pas très bien. Attends. Voilà le serpent. Voilà. Ok. Je refais demi-tour. Fiu, 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 fiu. Attendez, je regarde bien. Ouais, je recompte là.
Mais j'ai un doute. J'ai un doute. Si c'est la bonne réponse, j'épouse Diggy. Ah. There we go. Allez. Ah. Another puzzle solved. Oh. Non. J'espère que Diggy elle a pas compris. Non 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 non, je déconne. Non, Diggy, tu sais pas, non. Ouais, c'est ça, j'ai suivi les ficelles. Voilà. Non, je récite pas le poème, non. Eh bien, voilà un homme intelligent. Parce qu'il y a John. Il y a John. Tu as trois énigmes échouées, tu récites le poème. Mais oui, bien sûr. Eh bien, voilà un homme intelligent. De quoi il y a un micro dans la DS? Eh bien, attends. Maintenant, faites-moi plaisir et aidez-moi à retrouver cette pièce. Ah. Hey. La porte est fermée. Oh. Tout est calme ici. Cela paraît presque anormal. Mais je t'ai dit qu'il était cute ton poème là. Arrête de faire ta vie. Bah regarde là, on t'a trouvé, c'est John. Je vais vous dire, ces derniers temps, Saint-Mystère est devenu un endroit dangereux. Si c'est toi, regarde. Tenez par exemple, je n'ai pas vu Rabot depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça depuis peu. Ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Fiu. Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je ne sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Oh, Diggy, mais arrête! Ah, voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapan. Il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Zapan, vous dites? Où pouvez-vous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Mais... le drama, quoi. Un type un peu mou avec Valna, quand vous le reconnaîtrez... Ah, vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être un peu plus en parlant aux villageois. D'accord, il y a des enlèvements. Bon, on va laisser John tranquille. Hein. Auriez-vous une minute? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. L'âge de mon père, oh non. Non, pas encore ça, non! Non! Oh, vas-y, je sors mon carnet. Oh, bordel. Encore. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande « Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge ?» Le père répond « Non, mais en plus, qui répond comme ça ?» Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Ah, la somme de ton âge, donc 11. Non, en sachant qu'il a 22. John, je sais pas pourquoi je t'imagine répondre comme ça. T'as quel âge, John?
Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Non, ils sont pas jumeaux là, mais ça va, on a une piste, on a une piste. Donc 22. Donc la somme de ton âge, donc c'est 11. Hein? Et de la moitié du mien. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Non, j'ai pas compris. Ah non, c'est pas 11. Non, pardon, j'ai rien dit. Non, mais John, calme-toi, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon. J'ai compris. Non, j'ai pas compris. Non, c'est pas ça. Bon. La somme de ton âge. J'arrête, je suis relou. Bah non, continue. Bah non, si t'es plus relou, on va s'ennuyer. Continue d'être relou. Continue, te gêne pas. Je vais demander une pièce. Au cas où, hein. Je vais demander un indice quand même. J'ai pas envie de rester 5 ans. Alors, on peut paraître obscur, mais relisez bien la phrase du père. Mon âge correspond à la somme de ton âge. C'est-à-dire que si vous retirez la moitié de l'âge du père, vous obtiendrez l'âge de son fils. Et vous savez déjà que le fils a 22 ans. Attends. Si vous retirez la moitié de l'âge du père... Donc si je retire 22, ça fait... Attends. Ouais, le... Attends. Attendez, je réfléchis. Attends. Vous retirez la moitié de l'âge du père. Non mais parce que j'ai mon cerveau il a la réponse en fait. Mais j'arrive pas à... Comment dire à faire le cheminement. Parce que je crois que je l'ai. Ça paraît évident mais j'y arrive pas. Je vous assure. Promis c'est ça. Mais on convient de tremper. On a l'âge du père. Avec ton emoji qui crie. Mais attends. Ça veut dire que si on retire la moitié de l'âge du père, on obtient l'âge du fils. Donc, si... Ah, ça doit être tout bête. Ça doit être tout bête. Attendez. Vous retirez la moitié de l'âge du père. Donc si je fais plus 22, ça fait 44. Donc si je fais 44 moins 22, ça fait 22. C'est ça. Donc c'est 44. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'est trop simple. Non, je pense pas, non. Attends. Si vous retirez la moitié de l'âge du père, vous obtiendrez l'âge du fils. Bah ouais, bah ça peut être ça. Donc 44 alors. 22 moins plus 24. Je vais essayer ça. Bah c'est bien pour une fois, l'indice il m'a bien aidé. Si c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Donc c'est 44. Moi j'avoue, il m'a donné un bon indice là, le premier en plus. Luke, here's my answer. Donc, le père à la justice. Il était tôt.
Ouais, c'est ça. I'm sorry. Did I make you wait? I ran as fast as I could. Oh, Claude. Oula, Claude. Oula, pardon, Claude. Je t'ai fait bugger, Claude. Ah, c'est bon. Vas-y, Claude. Alors. Bah, désolé, hein, le jeu est en train de tuer mon ordi et tuer mon cerveau en même temps. D'accord. Non, mais c'est moi, c'est parce que j'ai trifouillé. Mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Mais ça sert à quoi toutes les bricoles là? C'est pour créer un chien en ce moment. Ok. Il n'y a pas une pièce qui se balade, s'il vous plaît, une pièce. Non. Ah, c'était lui ? Zapone, non ? Vous enquêtez sur les étranges disparitions dans le village, non ? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Enfin, eh bien... Quelque chose ne va pas? Attendez, je me suis endormie sur la VOD hier, j'ai pas encore bu le bateau. Je me suis endormie sur le truc des mecs qui voulaient pas se croiser. Mon dieu, mais tu dois faire des cauchemars, John. Ah, le bateau, c'était bien chiant. Il était bien chiant, le bateau. Oh, mais elle est drôle, John. Mais ouais, t'es drôle. Ah si, cela me revient. Si vous voulez le dernier ragot, allez donc voir Michel dans son restaurant. Conseil de détective. Michel. Il y avait un restaurant, non? Vous cherchez le restaurant? Il est tout près. Continuez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village. Mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter de ne pas faire un strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins. Ouais, ah oui, ça va de soi. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y, Luc. Le restaurant. Ah non, ça c'est la mairie. Ah, c'était quoi juste ce bruit? Oh, j'en peux plus. Que quelqu'un arrête ce bruit horrible, par pitié. Un problème, monsieur? Oh, c'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieuse. C'est ce bruit, cette horrible vacarme. Je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant, cela ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Je fais le thé, hein, le thé je gardais. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté de tour? Comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'est le rugissement d'un énorme monstre qui vivrait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour? Je peux pas te lire, John, mais le cœur y est, merci. T'es un sacré poète, John. Tu devrais t'y mettre, hein. C'est lui, Michel? Ramon? Je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Pff, encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez.
En ce moment, il évoque surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade dans Saint-Mystère et qu'il enlève les villageois. Il les enlève ? Qui est ce vieil homme ? Je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café ? C'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait ouvrir bientôt. Un vieil homme étrange qui enlève des villageois. Ah, déjà ? Bon, on n'a pas trouvé Ramon. Énigme envoyée chez Mamie Mystère. Ah, c'est ce que j'ai pas fait. Oh, c'est pas grave, hein. Regardez, professeur, la nuit tombe. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc manger ici demain. Ah ouais, je l'ai chopé. Oui, John. Ouais, là, on est en train de chercher un certain Ramon qui aurait disparu. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Ah bah, il va nous résumer. Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre. Je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon. Nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en apprendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Ouais, c'est ça, il est moche, là. Même qu'il conduit le bateau, normalement. Je me demandais, Kinji, est-ce qu'il va changer? Oh! Belle la musique. Ah, je l'aime beaucoup aussi. Excusez-moi, mademoiselle. Vous pouvez peut-être nous aider. Nous cherchons quelqu'un et... Désolée, je ne peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que je n'en ai pas envie. Ramon, je le connais à peine et je me fiche complètement de votre enquête. Hihi. Mais si vous m'aidez à résoudre cette énigme, je me souviendrai peut-être de quelque chose. Hihi. Quelle insolence, jeune fille. Ouais, ça rappelle Animal Crossing. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. La pesanteur est 6 fois moins forte sur la Lune que sur la Terre. Cela signifie qu'un objet sur la Lune pèse 6 fois moins lourd que sur la Terre. Si vous emmenez un poids qui pèse 600 grammes sur Terre, ainsi qu'une balance sur la Lune, que vous le pesez, qu'indique la balance ? Donc, on emmène quoi là? Un poids à 600 grammes. Bon, un poids à 600 grammes. Donc, en sachant que la pesanteur est 6 fois moins forte. C'est 0 grammes, non? Il pèse... Mais non, c'est pas possible. Non, je sais pas. Moi j'aurais dit 0 grammes en fait. Vu que c'est 600 fois moins. Donc c'est 0 grammes. Mais ça a l'air tellement évident que c'est bizarre. C'est quoi cette question de merde? Là, c'est bizarre. L'objet, il vole. Ouais, t'as raison. Je me disais à Fenzo. Ouais, ça peut pas être 0 alors. Si, il peut voler, non? C'est... Parce que... Moi, j'aurais dit 0, hein. J'aurais dit 0. That should do it. Ah, c'est pas 0. Ah, I suppose I thought wrong. Non, c'est pas 0. Là, on va devoir réfléchir. 0? Quoi?
Bah, c'est 600 fois moins. Mais comment il m'agresse, John? Mais calme-toi. c'est pas zéro. Donc c'est pas zéro. Ah, merci. Mais ah ben merci, John. Du coup, ça fait 60, ça serait ça? Comment zéro de cheval dans l'espace? Bah du coup, c'est 60, du coup, c'est moins de 100 grammes. Ouais, 60. That should do it. Bah c'est 60. Critical thinking is the key to 60. Success. Mais 600 divisé par 6, ça fait pas 60? Non? Ça fait 100. Ah! Bah j'ai eu la bonne réponse, c'est bon. Ah! Ah bah oui, je suis bête. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai que quand il y a le même chiffre en premier, ça fait ça. Ah ouais, je me rappelle, c'était en primaire ça. Je me rappelais plus. Bon, ça va. Oh là là, j'ai le bon raisonnement. Alors, hihihi. On dit que c'est dangereux de se balader la nuit dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. Bah demande à John, John il va nous faire court après. A chaque fois, on va faire un petit débrief avec lui. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine que la prudence n'est pas le fort de Ramon. Que voulez-vous dire exactement? Cet endroit est fermé. Ce vieux bocal me rappelle une énigme. Non, non, mais non, que j'ai entendu. Non, mais non. Mais non, mais je voulais pas. Oh, fortel. Non. Un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Oh non. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Si ce processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez l'opération avec 2 microbes? J'ai rien compris. Attends, un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Ah, du coup, il se dédouble à chaque fois. Donc là, il y a 2 microbes. Donc ils vont se dédoubler. Au bout de combien de minutes la bouteille sera remplie si vous commencez l'opération? En sachant que avec un microbe, c'est au bout d'une heure que ça. Bah, je dirais 30 minutes alors. Bah non, au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie si vous commencez? Bah ouais, bah 30 minutes alors. Je dirais 30. J'aurais divisé une heure en fait. C'est 30 minutes, non? Moi j'aurais dit 30 minutes. Hein. Bon bah je vais essayer 30 minutes. J'y vais, hein. Moi, je divise par deux, quoi. Well, here's my guess. Ah, c'est pas ça. Ok. I'm so embarrassed. Yeah, bah merde. Alors. Mais oui, tu l'as, bien sûr, bien sûr. Encore, les autres, je peux comprendre, mais toi, que tu l'es tout de suite. Non, j'ai du mal à le croire, tu vois. Alors,
Du coup, c'est pas divisé par deux. J'aime bien, tu lis même pas l'indice quand tu le foires, quand tu te foires. Non. Ah, y'a un indice quand je me foire? Ah bon? Non, j'avais pas réalisé. John, mais attends, je me concentre. Bon, alors. Remplir la bouteille en une heure. Ok. Il se dédouble en toutes les minutes. Il se dédouble toutes les minutes. Alors, je suis sûre que ça a l'air tout bête. Quoi banane? Ah bah mon thé est prêt. Non, le banne pas. J'en ai besoin. À un moment, il va être saoulé, il va me dire la réponse. Non, arrête, il va me dire la réponse comme ça. Non, c'est bon. Ah, trop drôle. Non, c'est bon. Non, je mangeais un petit gâteau. Pour me recharger. C'est bon. Et le thé, il est prêt. Alors. Non, c'est bon. Bah non, je te comprends pas. Mais je suis sûre que ça a à voir avec de la logique. Je suis sûre qu'il y a un piège, en fait. Mais c'est pas 30 minutes. Kinji. Tu l'as pas, Nekos. Arrête de mentir. Arrête. Il y a toujours un piège. Ah, là, c'est un piège, alors. Faut que je relise bien l'énoncé. Parce qu'un microbe, il se dédouble toutes les minutes. Et
Et là, il y a un deuxième microbe qui arrive. Donc après, l'autre microbe, il va donner un autre microbe et ainsi de suite. Donc je fais x2. Il se dédouble. Une autre prune. Ah, c'est 1 à 1 en fait. Donc ouais, s'il y a un 2 microbes, on rajoute un microbe. Donc vu qu'il s'est déjà dédoublé, il s'est déjà dédoublé, ça fait une minute. Donc ça va lui prendre une heure, c'est 60. Donc 60 moins 1 dans ce poisson. En fait, non, je crois pas. Ouais, 60 moins 1, ça fait 59. Mais c'est parce que je me dis que s'ils se dédoublent 1 à 1, ça veut dire qu'ils ont juste rajouté un microbe. Ça veut dire qu'on gagne une minute. Donc le bol, il va se remplir en 59 minutes. Tente. Écoute. Si j'ai bon, John, il est... Attention. How does this sound? Il est pété. J'ai bon. I did it. Ouais. Bah du coup, la réponse est 59. Un microbe a besoin d'une minute pour se dédoubler. Commencez avec deux microbes au lieu d'un seul. Ouais, c'est ça. Oui, on économise une minute. C'est ça. Et pas bête la guêpe, hein. Tout à fait exact, excellent travail. Ce bocal est plutôt joli, on pourrait le prendre, non? Enfin, mon garçon, il demande d'être propre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous avez raison. Luc, peux-tu essayer de récupérer ce que ce bocal contient? Ah, monsieur le tableau. Pardonnez-moi de devoir vous déranger de nouveau. Avez-vous vu Ramon depuis tout à l'heure? Oh. Viens, Luc, allons-y. Park Reynolds. Ok. Mais du coup, le tableau... Ah! Non, non, ces trucs, ça me gave. Allez, je m'en vais. Adieu. Je m'en ferai plus tard. Bon, bah, c'est pas ici. Ouais, j'ai une pièce SOS. Alors, ensuite. Ah. Oh bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel est donc le problème, monsieur? Voyons voir. Jeune, fort, et vous n'avez pas l'air d'avoir de problème de dos. Oh, merci d'être passé par ici. Je vous demande pardon. J'ai cherché partout, je n'arrive pas à la retrouver. Oh, j'imagine que je l'ai laissée tomber près du parc cet après-midi. J'irai bien la chercher moi-même, mais il fait noir maintenant. Vous avez peur du noir à votre âge? Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste que je ne suis plus tout jeune et mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Alors, vous voulez bien essayer de la retrouver pour moi? Hein? Mais là, nous sommes au beau milieu d'une enquête. Allons, Luc, tu n'as pas besoin d'être désagréable. Après tout, le parc n'est pas bien loin. Et qui sait, nous trouverons peut-être des indices à notre enquête là-bas. En outre,
aider ceux qui en ont besoin est le devoir de toute gentleman. Oh là là. Parfait. J'attendrai votre retour ici, je compte sur vous. Encore un détail, monsieur. Qu'avez-vous perdu exactement? Perdu, je... Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, c'était ma montre. En fait, c'était ma plus belle montre. Rapportez-la à moi, s'il vous plaît. Ok. Oh, mais John, arrête, là. On est dans un jeu poétique. Ça te dit quelque chose, la poésie? Peut-être qu'il l'a vu, lui, non? Ah, Gérard a encore perdu quelque chose. Entre nous, je crois qu'il perd un peu la tête. Il s'aime toujours tout. Qu'est-ce qu'il a perdu cette fois? Laissez-moi deviner, sa montre. Effectivement, il a égaré sa montre. L'auriez-vous trouvé par ici? Si on veut. En fait, c'est Béatrice qui l'a trouvé. Mais comme il était déjà tard, elle a décidé de le garder jusqu'à demain matin. Allez la voir à l'hôtel, elle devrait pouvoir vous la donner sans problème. Maintenant que vous êtes là... En tout cas, les musiques, elles sont belles. Je suis perturbée. Je souffre, mais en même temps, je profite de la musique. Elles sont vraiment belles, les musiques. Hey John, si tu demandes à un Parisien comme ça dans la nuit une énigme, tu crois qu'il va te répondre? Tu crois qu'il va résoudre l'énigme ou pas? J'imagine la situation, mais dans la vie réelle, quoi, à Paris. Excusez-moi, monsieur. Alors, regardez ce magnifique ciel étoilé. Combien? Non, pas de triangle dans ce dessin. Non. Non, plus. Il y a combien de triangles? Attendez, il y a moyen. Attendez, il y a peut-être moyen. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ah merde. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a 8. 8. 9, 10. Il y en a 10. Il y en a 10. Ouais, il y en avait un là. Il y en avait un là. Moi, je dirais 10. That should do it. Oh, how embarrassing. Oh, regardez bien l'image et essayez de compter à nouveau. Ah, merci pour le conseil. Comme quoi, faut toujours écouter John, hein. Ça m'aide. Bah non, là c'est sûr, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Non, il y en a 8.
8, 9, 10. J'essaie d'en trouver un. Peut-être ça se cache derrière le dessin. Je crois que c'est avec cette forme que j'ai du mal. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Juste qu'il y en a 5. 6. J'en vois pas d'autres là. Ouais, j'ouvre les yeux là, je fais que ça. Attends. Attends. Ah non. 5, 6. Ah, attendez. Non, ça fait pas un triangle là, si. Non. Coucou. Hola. Je sais pas si... Je sais plus c'est qui. Je l'avais voir courte. Et le jeu est en train de manger ma mémoire là. 1, 2, 3, 4, 5. Hello. Ah, il y a le triangle là. Donc... Et il y a lui. Ouais, il y a lui. Ça fait 10. Ça doit être 10. Non. Si, ça fait 10. Si, je pense que ouais, c'est 10. Donc c'est 12. 12. 12. Dossé, c'est bon. Here's my answer. Ouais. Every puzzle has an answer. Ouais, c'est ça, j'avais pas vu celui-là, je suis bête. English. Eh, merci bien, je peux enfin rentrer chez moi dormir un peu. Oh. Et rappelez-vous, c'est Béatrice, la gérante de l'hôtel, qui a trouvé la montre de Gérard. Allez donc la voir, à demain. Oh. Bien, Luc, allons-y. Oh, mais fallait compter les triangles. Bah, je vais le donner à Luc, c'est mignon. Oh, pardon, je ferai attention. Je lirai pour que John ait le temps de voir la solution. Comme ça, il sera content. Et moi, non, mais Bella, tu l'as déjà trouvé. Arrête de faire genre, toi. Et Nekos, il s'en fout, il fait pipi. C'est quoi ça? Regardez, il y a une énigme incrustée. Non, c'est drôle, j'aurais juré qu'il n'est pas là. Non, 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 fascinant. Extraordinaire, Luc, mon garçon. Ouais. Non. C'est pas un triangle. La boule perdue. Alors, arrivez-vous à sortir la boule rouge? Faites glisser les blocs pour libérer le passage.
La vache. Ok. Ah, déjà c'est comme ça. Saves the day. Welcome, Shwiggy. Welcome. Alors, c'est bon. Welcome, welcome. Thank you, thank you. C'est bon, t'as le temps de lire la cerise? Excellent. Maintenant, nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Ah, c'est Mamie Mystère. Bonjour à vous. Mais le design, ça me rappelle beaucoup les triplettes de Belleville. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. Mamie Mystère, où pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler. C'est pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre les énigmes. Enfin, je suis la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Et magnifique et extra-lucide. Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Elle a un de ses sourires, par contre. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Ok. Désolée de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir? Pff, n'importe quel voyant de seconde zone sait faire ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive même aux meilleurs. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passées? Bon, on va les laisser. Eh ben, je m'occupe d'elles, je les invite à rester avec moi. Waouh! Alors, toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici. Ici? Pas exactement, en fait. Je conserve les énigmes qui n'ont pas leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin de quoi je suis unique? En quoi je suis unique, mon garçon? Allons. Maintenant, allons voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux et chacun contiendra une énigme oubliée. Je suis sûre que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ma petite collection. Ouais, mais j'ai pas envie de rester, en fait. Ouais, non. Et non. Et non. Et non. Non, non, j'ai pas envie, non. Bella, j'ai fait l'erreur de t'écouter une fois, je suis tombée sur l'énigme des souris, là. Donc c'est terminé, Bella, je t'écoute plus jamais. Nous ne pouvons pas rentrer au manoir sans le moindre indice. Poursuivons nos recherches. Tout à fait d'accord. Allez là. Bonsoir vous deux, votre journée est terminée? Bonsoir Béatrice, je crois que vous avez trouvé une montre près du parc. Oh, cette vieillerie! Est-ce que c'est votre montre, professeur? Non, non, elle appartient à Gérard. Il l'a égarée aujourd'hui et m'a demandé de la retrouver pour lui. Ouais, elle est belle, hein? Elle est triste. C'est très triste comme musique, mais j'aime bien. J'aurais dû m'en douter. Ce type est une vraie tête de linotte. Très bien, voilà sa montre. Vous savez, je me disais bien qu'elle ne pouvait être qu'à Gérard. Je pensais justement que vous étiez bien trop élégant pour porter cette vieille chose. Ah, merci beaucoup. Oh, j'oubliais. Juste par curiosité, Ramon ne serait pas passé vous voir par hasard. Ramon.
Le grand maigre avec les grosses lèvres violettes? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. En tout cas, malgré les apparences, on le dit plutôt fainéant. Vous le trouverez probablement au café. Vous devrez y aller pour le voir. Je vois. Dans ce cas, nous allons nous rendre de ce pas au café. Cela vous ennuierait-il de laisser la porte d'entrée ouverte un peu plus longtemps ce soir? Pas le moindre jumeau, professeur. Un autre client a pris une chambre cette nuit. Je dois tout préparer. De plus, ma porte est toujours ouverte pour un parfait gentleman tel que vous. Je me suis trompée si c'est un film, du coup. Ça te dit rien? Ouais, c'est un petit film. Ouais, c'est un dessin animé. C'est même bizarre, l'ambiance et les designs. Mais ça me rappelle un peu Professeur Layton à cause de l'apparence des personnages et les couleurs ternes comme ça. Ça me rappelle l'ambiance là. Du coup, on peut lui rendre la montre. Oh, alors, vous avez retrouvé ma montre? Mais bien sûr, un vrai gentleman aide toujours ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, ça n'a toujours pas de nouvelles de Ramon. Nous devons nous remettre à sa recherche. Oui, c'est une particularité à notre village. Il a beau être petit, il est parfois difficile de trouver la personne que l'on cherche. Parfois, on a l'impression de courir dans un vrai labyrinthe. Tiens, ça me rappelle une énigme. Non, non. Vous savez, nous devons vraiment... Un voleur est en cavale et essaye de semer la police. Il pénètre dans cette partie de la ville par l'entrée marquée d'une flèche. Okay. Ce voleur a cependant une particularité qui lui est propre. Il refuse catégoriquement d'aller à reculons ou de faire demi-tour. Et s'il en a la possibilité, il prendra toujours à gauche ou à droite. Jamais tout droit. Comme indiqué sur la carte ci-dessous, cette partie de la ville comporte plusieurs sorties. Laquelle de ces sorties notre voleur ne pourra-t-il jamais prendre ? Qu'est-ce qu'on se marre? Bon, c'est parti. Là, ça devrait aller. Donc, il recule pas et il va pas tout droit. Ok. Donc, il le prend. B, il le prend aussi. Ah, il va pas tout droit, pardon, je m'ai trompée. Il prendra toujours à gauche ou à droite, jamais tout droit. Ok, donc... On va bouger, c'est sûr. C'est ça, Benzo, pardon. Du coup. Ah, il va prendre la A. En fait, faut que je fasse toujours des sortes d'escaliers, quoi, parce qu'il va pas trop droit, le monsieur. Ouais, E, il la prend aussi. Donc, il prend G-E-A, il le prend. Ouais, E, ben ouais, c'est E, ok. Il peut le prendre. D, c'est aussi du coup. Attendez, il y a un problème. Nekos, t'as la réponse? Moi aussi je cherche, mais j'ai l'impression que je peux faire tous les chemins en fait. J'ai pas fait la F. Est-ce que j'ai fait la F? Ouais, je peux faire la F. Un problème.
F y peut. Vas-y, vas-y, John, va te reposer. T'as été gentil ce soir. Repose-toi pour demain, va. Alors. Là, je sèche. Ah, et si je retourne là? Je fais ça. Du sport, je vous dis. Il va y avoir du sport. Je vois pas, attendez, je vais prendre un indice, oui. Une énigme présentant autant de possibilités peut sembler extrêmement compliquée de prime abord. Pourquoi ne pas simplement essayer les différents itinéraires? N'hésitez pas à tracer un chemin. Merci, merci pour le conseil, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas le droit de passer au même endroit. De quoi tu veux dire que quand je fais ça... J'ai pas le droit. Afenzo, c'est ça? Là, ça va pas. Ah, d'accord, ça change tout alors. Je peux pas. Ben, du coup, je peux jamais tourner à... Je peux jamais tourner là, en fait. Bah. Ouais, bon, je l'ai. Mais du coup, le B, je l'ai comment? Ah, voilà, comme ça. Hop, bah, je l'ai. Et le C. Ah merde, non, attendez. C'est vrai qu'il va pas tout droit ce machin. Ah. Attention Nosy, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il me fait peur quand il dit ça. Bah, honnêtement, j'ai jamais eu de professeur. J'ai jamais eu de 3DS, 2DS en fait. Petite. C'est grave, hein, j'étais plus console de salon, moi. Donc, je suis passée à côté de Pokémon, de Professeur Layton, de Mario. Je suis passée à côté de Mario. À part Mario Galaxy, mais je veux dire, les jeux de plateforme sur DS et tout, je suis passée à côté, quoi. Pareil, la Game Boy, je l'ai pas eu, moi. J'ai eu la PlayStation à la place. PlayStation, oui. Moi j'étais plus console de salon. Mon frère avait une PS3 à 7 ans, bordel. Là mon frère il avait, comment on appelle ça, c'est une console toute noire et plate là, c'est pas une... C'est une Atari je crois, non? Même que dedans il y a le jeu Mickey en 2D, bizarre. Je crois que c'est une Atari, non c'est pas une Atari. Super, Mega Drive, c'est ça, Mega Drive, il y avait une Mega Drive. Donc j'ai pu jouer à des jeux, à Astérix et Obélix sur Mega Drive, ça c'est cool. Bon, c'est, il peut le faire. J'avais un PC à 4 ans, la vache. Reformuler la question, ce que vous recherchez en fait, c'est une sortie qui soit positionnée de telle manière que le voleur soit obligé de s'en écarter à chaque fois qu'il s'en approche. Est-ce que vous voyez une sortie qui correspond à cela? Quoi? Oh. Ah bah d'ailleurs, je pensais à ça. Bah surtout à Nekos, mais... mais à vous tous aussi, hein, mais... J'ai retrouvé des vieux jeux que je jouais sur le vieux PC, quoi. Il y en a un, ça s'appelle Pop le chien.
Je sais pas quand je pourrais jouer à ce jeu, parce que c'est vraiment un mini-jeu, hein. C'est pas un truc... Parce que si je joue à ça pendant 3 heures, on va dormir, mais... Il est marrant, ce jeu. Il est cool. Ouais, on y joue. Ouais, c'est un chien. Un chien en forme de ballon. Go, écoute. Bah ouais, mais je le fréquente, en fait. Ah, comme Animal Crossing, en fin de live. Ah ouais, je verrai ça. Je vous le montrerai. Vous... Faites-vous pas spoiler, hein, je vous le montrerai. C'est un jeu perdu un peu. Et j'ai plein de jeux comme ça de sur PC que j'ai retrouvé que vous avez pas connu. Ah, peut-être que John a connu. Ouais, John a connu, Belaf aussi. Ah, quoique Taos aussi, je pense, peut-être. Des jeux sur PC. Non, mais toi, Nekos, sûr, t'as pas dû voir, toi. Après, tu me diras, Brice, il est obscuré, donc peut-être qu'il connaît. Ouais, Brice, il doit connaître. Brice, il connaît tout. Donc ça, il y a que Nekos. À mon école primaire, les consoles qu'on m'a mis devant un PC éducatif. Bah ouais, avec Adibou, non? Des trucs comme ça. C'est ça? Adibou, bah ouais, c'est ça. Bon, du coup, attendez, je voilà. Alors... Une sortie qui soit positionnée de telle manière que le voleur soit obligé de s'en écarter à chaque fois qu'il s'en approche. On a tous trouvé. Ici Tower, Happy Long Adventure. Tu traces trop vite. Attends. Voilà, j'ai pu. Bon, c'est bon. Je vais faire à l'envers. Dis-toi que Nekio m'a fait découvrir un certain nombre de jeux. Non, je connais pas tout. Mais je te taquine, Brice. Bah forcément, tu connais pas tout. En plus, t'es l'un de mes plus jeunes connaissances. Donc ouais, si tu connais tout, ça me... Bah ouais, bonne nuit, Mouni. Repose-toi bien. Nous, on va faire chauffer nos neurones en attendant. Bon, du coup, sûr, c'est passé. T'es un bébé d'ici, mais non, n'importe quoi. Moi, en fait, je peux tous les faire, les chemins. Je viens de faire C. Bah ouais, je l'ai fait. Faut refaire. Faut re-refaire. Attends. Tu viens de le re-refaire. Mais laisse-moi tranquille, Belaf. Bon, c'est pas F. T'as trouvé la réponse, Kinji? Sinon, j'en étais où avant qu'on me trigger en disant que je connais tout? Ah oui. Ah, merci Brice pour ton commentaire.
Mais non. Ah, t'as trouvé. Non, moi j'ai pas trouvé. Ah, mais il va pas reculons. Donc du coup, il peut pas aller comme ça. Il fait pas demi-tour. Attendez, j'ai le truc, c'est, attendez, je vérifie ma théorie. Attends, je vérifie ma théorie. Ouais, il est débile, il ira pas là parce que soit il va tourner à droite ou à gauche parce qu'il va pas aller tout droit. Il va pas aller tout droit. C'est ça? Est-ce que t'es débile? Est-ce que t'es Nekos? Luke, here's my answer. Exactement. Et ouais, c'est Nekos. C'est incroyable. GG. C'est moi, let's go. Bonne réponse. Si le bandit est obligé de tourner à chaque fois qu'il en a l'occasion, ses déplacements au sein de cette partie de la ville suivront forcément le chemin ci-dessous. Ouais, je viens de comprendre. Jeune homme, vous avez la tête bien remplie. Vous savez, si vous cherchez quelqu'un, vous devriez demander à l'hôtel ou au café. Vous savez déjà où se trouve l'hôtel, juste à l'entrée du village. Le café se trouve au niveau du croisement au nord d'ici. Nous avons déjà tenté notre chance à l'hôtel, mais enquêter au café est une bonne idée, merci. Oh, c'est plutôt moi qui devrais vous remercier, vous m'avez été d'un grand secours. Monsieur, tout plaisir est pour moi. Un tapis rond. Ah oui, le café. Est-ce que c'est le café là? Ah non. Je ne peux rien vous dire de plus sur Amon. Je suppose qu'il est au café alors qu'il est. Oui, peut-être. Donc, le café, je crois que c'était à l'intérieur de la tour. On s'en fout de Layton. Voilà, café. Aïe aïe. Salut. Je ne vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout. Merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des enfants. Oh, eh, j'espère pour toi que c'est Pomelo qui t'a donné les sous. Hein. Non, on dirait pas. Son cinquième mois. Ah, Amazon Prime. Ah ouais, il triche. Ah ouais, d'accord. Bah, t'auras même pas de remerciement en Écosse. Tu n'auras que mon ignorance. Bah ouais, il triche, il est naze. Alors, un des employés du manoir, Reynold Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Non, j'ai pas dit ça, Écosse. Garde tes sous. Nous l'avons cherché partout. Sans résultat, c'est comme s'il avait disparu de Saint-Mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Ouais. Auriez-vous trouvé par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah oui, vous parlez de cette vieille rumeur. Alors vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous dire nous sera utile. Mais pas du coin, je me trompe. Vous savez, je ne voudrais pas que vous quittiez Saint-Mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous trouvez, si vous prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes. Mais c'est quoi cette logique? Eh bien,
Je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. Ah, super, d'accord. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre balader dans le village. Ce type s'appelle Proschioto. Ah, ça me rappelle... Ah, les mots geckos. Il est haut comme trois pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où l'on pourrait trouver ce Proschioto? Ouais, bien sûr, le truc qui commence par un... Bonsoir, Darky, comment vas-tu? Ça va depuis la dernière fois? Tu te reposes bien? Tu manges bien? Je ne suis pas sûre, mais cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller le voir, ce ventre à pattes. Oh, content de vous voir. J'ai... Non ! Ouais, voilà. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. Ne dites pas plus, vous êtes en mission d'infiltration. Vu que vous et moi on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Mise en pli. La vache. Ça, c'est Nekas qui a pas dormi, ça. Une ville ne compte que deux coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'un de ces deux personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous adresser pour votre nouvelle coupe? Bah, je vais m'adresser au B. C'est quoi cette question? Bah ouais, le B. Ah non, le A, parce que... Peut-être qu'il coupe tellement bien qu'il en devient fatigué. Il en devient fatigué, il en peut plus. En fait. Et c'est tellement un bon coiffeur que... Ah, j'adore ce genre d'énigme où il faut... Faut avoir l'esprit perché, non? Yes. Oh, Shadow. Poète Shadow. Mais attends, on est sur une énigme incroyable. Attends. Attends. Il y a... Donc tous les gens viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces deux personnes. Donc il y a deux coiffeurs. Et il n'y a aucune autre ville à proximité. Donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces deux personnes. Bah, moi je dirais la B, vu qu'il présente bien, non? Ça va. Moi je dirais B, hein, parce que le A il est moche, donc je lui fais pas confiance. Non? Je sais pas, moi. c'est pas ça? Bah, il présente bien, c'est son boulot. Bah, c'est son boulot. Ouais, Shadow, entre nous, tu veux te faire couper les cheveux par qui? Le bonhomme B, pas le A. Je juge pas au physique. Bah moi je dirais le B parce que le A il a l'air vraiment d'avoir une sale tête. Parce que qui choisirait le A? Qui choisirait le A à part Nekos parce qu'il est... on sait pas. Il aime bien aller à contre-courant. Le B il est vicieux. T'es naze, ok. Mais non, mais... Je vois pas, là. Je réfléchis, mais... S'il te plaît, ça se voit qu'il est pas honnête. Mais ça se voit que c'est un bon coiffeur. Regardez, il est bien coupé et tout. Le A, il fait peur. Mais non, mais je fais confiance aux gens qui ont quand même un minimum de propreté. Il a pas l'air de se laver, le monsieur A, là. Il se lave pas, je suis désolée, hein. Il se lave pas. Mais justement, qui lui a coupé les cheveux?
Ah mais oui. Bah c'est A alors. Bah ouais parce que Ah bah oui il lui a raté les cheveux alors. C'est A. There we go. Merci Belaf. Another puzzle solved. Tout le monde dans la vie se fait couper les cheveux par l'un ou l'autre de ces messieurs. Cela inclut nos deux coiffeurs. Comme il est plutôt difficile de se couper les cheveux soi-même, le coiffeur avec la coupe à la tronçonneuse est probablement le plus doué que d'elle. Ah, ok. MDR, qui est logique. Oh, vous avez réussi, vous avez résolu cette énigme. Pourtant, elle est particulièrement complexe. Mais moi, j'avais échoué, incroyable. Oh, ce n'était pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous vu Ramon récemment? Que dites-vous? Vous êtes prêts pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir ma Miss Mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous nous verrons peut-être demain. Ok, il m'a servi à rien. Okay. C'est quoi? Professeur, il y a une énigme cachée ici. Oh bordel! Trop de verre. Comme le montre la partie supérieure de l'image ci-dessus. Ci-dessous, vous disposez de 6 verres, 3 verres pleins suivis de 3 verres vides. Votre objectif est de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre montré sur l'image du bas. En sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois. Non mais stop les... Coucou Poussin, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Vous devez tout faire tout seul et vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part. Est-ce que je peux m'en aller? Eh hey, mais c'est John là à côté. C'est lui ça. Faut juste rajouter les lunettes. Mais c'est lui en fait. Regardez. On rajoute les lunettes et... c'est lui quoi. Et un bouc. Oh. On devrait se caler. C'est vrai. Mais je t'ai vu, t'es sur quel jeu en ce moment? T'étais sur le jeu d'Harry Potter, alors il est bien? Attendez, du coup, Oh là, j'ai perdu mon cerveau dans l'énoncé. Donc, 3 verres pleins, suite 3 verres vides, ok. Et de faire en sorte que les verres se retrouvent pareils, ok. Vous pouvez passer qu'un verre à la fois, et vous devez tout faire tout seul. Vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part. Ah ouais, je vois. Donc, si je le déplace là, j'échange les deux là. Je dirais une fois, non? Vas-y. T'inquiète. On est concentré parce que j'ai envie de finir le jeu le plus vite possible, de m'en débarrasser. Oh, punaise. Oh là là. Bravo, trop fort. Cuit de malade mental. Facile. Allons chercher de nouvelles énigmes. Là, il faut aller dans la maison du monsieur. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, ça va, Kiwi, toi? Eh, mais vous cherchez toujours Ramon, non? Oh, vous cherchez Ramon, aucun doute. Alors, vous ne l'avez pas trouvé? Les rues ne sont pas sûres la nuit, pas sûres du tout. Vous ne devriez pas mettre le gamin en danger. Qui sait ce qui pourrait arriver? Je vais vous demander de résoudre cette énigme. Espérons qu'elle vous inculquera le sens des responsabilités. Allez, vous allez y arriver. What?
Peut-être, je crois qu'ils sont tous alcoolos dedans. Oh la vache. Essayez de sortir de ce labyrinthe. Commencez en partant de la case centrale. Oh bordel. Ah ouais, là j'ai... Ah, il me donne mal à la tête, l'image. Et essayez d'atteindre l'une des sorties de A à D. Vous devez vous déplacer d'exactement autant de cases que le nombre indiqué sur celle que vous trouvez. Vous pouvez vous déplacer horizontalement ou verticalement, mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Votre déplacement doit se terminer très exactement sur la lettre de la sortie. J'ai rien compris. Rien, rien et rien. Ah, le nombre, ça indique les déplacements, donc. 5. Ah non, c'est 2. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. Donc c'est pas là. C'est pas là. Ok. C'est pas là. 1, 2. 6. 1, 2, 3. 2. Ou sinon je suis... Mais chaque déplacement doit être effectué dans une seule direction. Ah. Ah. Ah, d'accord. Attends. Attends, mais laisse-moi réfléchir, Bella. 1, 2. Mais arrête de le mute, laisse-le. Ouais, c'est ça, hein, Kinji, hein, si tu trouves, si tu me dis. Moi je dirais la A. J'ai l'impression d'avoir réussi sur la A. That should do it. Ah. I suppose I thought wrong. Ok. Ah, mais oui, j'ai voulu speedrun. J'ai le droit. Tu vas faire quoi? La vache. Donc, c'est pas la A, c'est sûr. Ou alors je fais à l'envers en fait. Non, je suis pas à l'envers, c'est nul. Est-ce que je peux me déplacer en diagonale? Ah non, d'accord. C'est horizontal ou vertical, ok. Ah, c'est la C. C'est la C. C'est la C. Allez, c'est la C quoi. Luke, here's my answer. Ah, c'est pas la C, merde. Frankly, I'm ashamed. Non mais je l'avais cru. Mais si, je veux réfléchir. Et bonne nuit, Ney. Bonne nuit, Ney. Bonne nuit. Repose-toi bien. À la prochaine. Bon, c'est pas là, c'est pas là, c'est. Mais non, Neizo, Neizo. C'est la B.
C'est la baie, je suis sûre. C'est la baie. C'est la baie. C'est la baie, c'est la baie. Je suis sûre que c'est la baie. C'est la baie, allez, merde. C'est la baie. That should do it. Ouais, c'est bon, j'ai bon, ouais. Another puzzle solved. Yes. J'ai pas du... Si j'ai fait chemin, je m'en rappelle. Non, c'est bon, j'ai bon. On dirait bien que vous avez réussi. Rien d'étonnant pour un type aussi futé que vous. Si vous cherchez le café, il est juste là. Mais il se fait tard, le gamin devrait être au lit, pour sûr. Et puis la tour pourrait se remettre à gronder à n'importe quel moment. Faites-moi confiance et retournez à l'hôtel, ok? Allez, retournez à l'hôtel. Commande en tech. Donc là, il faut aller... Ah non, il faut aller à la ruelle nord. Donc, c'était là. Ah bah, c'est lui. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous aviez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez, ronche, nom nom nom. Je crois que ça s'est passé il y a 4 jours. La vache! C'est Belaf, ça! Je reconnais, c'est Belaf! Je revenais du marché. Quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue, il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez? Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard. Miam. Avec un grand chac. Mouche, miam. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Bah c'est nul, y'a rien. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon, l'employé du manoir Reinhold. Miam, chom, chichi, je l'ai vu. Difficile de le rater avec ses énormes lèvres violettes. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui en revanche. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis un peu occupée là. Vous voulez bien me laisser finir mon dîner tranquillement? Bien sûr, nous partons. Veuillez nous excuser de vous avoir interrompu. Ah, la musique est trop forte? Non, non, je l'ai baissée. Ça va mieux? Hop. Ah mince, c'est pas ça. Un poil. C'est bon là, je l'ai baissé. Regardez, c'est une énigme cachée. Non, c'est du jambon. C'est quoi? Non! Oh non, bordel. Non, pas ça. En plus, c'est la même. Encore? J'en peux plus, moi, des triangles. L'image du dessous, elle est patron d'un tétraèdre. Le cas de ces triangles... Devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face à l'autre sans interruption. Rien con. Ah ! Si. Ah, si, je vois. Attendez. Ouais, c'est... La D. C'est pas la D. Attends, ça fait genre. C'est pas la D. Ah ouais. Non, attends.
T'as rien capté, Nekos. Bah, en gros, il faut trouver un triangle pour que les lignes elles soient toujours droites, en fait. Ah, la B. Je crois que c'est la B. Genre, tac, ça se colle là. Non, attends, peut-être pas. Non, peut-être la A. Non, attends. Quoi, Bella? Ne prend-on d'un tétraèdre? Ça veut dire que les triangles vont être repliés en pyramide. Ah! Non, arrête. Non, tu dis n'importe quoi, Bella. Vas-y, je vais faire B comme Bella. On va voir si ça marche, comme ça. S'il vous plaît, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Bon, c'est pas B. C'est pas B. Mais non. Mais non, mais j'ai essayé comme ça. Oh, c'est bon. Bah, si t'es pas content, Nekos, t'as qu'à aller faire pipi. Bon, c'est pas B. Ah, pyramide déguisée. Ouais, mais attends, ça a l'air d'être encore plus compliqué, là. Bon, sûr, c'est pas la B, au moins. Mais t'as déjà trouvé la réponse, Shadow? C'est incroyable. Il y a des génies dans le chat. Ah, peut-être c'était la B, hein. Peut-être il a cru que c'était la B aussi. Bah, en tout cas, la D, il a dit non. Donc c'est peut-être A ou C alors. Franchement, hyper simple, j'ai toujours pas la réponse. En vrai, elle est simple. Ok, Nekos, va faire pipi. Oh, tu l'as, Kinji? Ah, moi, vu de nez, j'aurais dit C. Mais... pas. J'aurais dit C en fait. Ça commence par une lettre. Merci Shadow, ouais, ça m'aide. Hein. Ouais, je peux échouer, mais j'essaye de pas trop échouer pour garder les Picaras. C'est des genres de bonus. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'essaye de les garder, quoi. Franchement, je dirais. Je dirais C, hein. Je dirais C parce que le truc, il s'emboîte. Comme ça, tac tac.
Mais ah ouais, mais la ligne rouge, elle s'emboîte pas aussi. Ah, peut-être. Je vois pas là. J'aurais dit C en fait. Moi je pars sur le C. Bah mon cœur il dit C mais je suis pas sûre. Peut-être A aussi. A pas mal A. A. Peut-être. Attends, on est quoi? S'il me dit l'écoute pas, je l'écoute. C'est ça. C'était ça. Faut toujours pas écouter Neka si on a la réponse. Okay. Et voilà, passons à la suite. Désolée professeur, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie, c'est juste que je suis un peu fatiguée. Il se fait tard, allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Professeur, regardez là-bas. Oh bon sang, c'est Ramon. FBI, open up! Luke, sir, hold it there. Right behind you. Ouais, c'est trop mignon. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luke, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute. Il s'agissait bel et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon? Ouah! Gardons la tête froide, Luke. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça. Ah, un rouage. Il semble que cet objet soit identique à celui que Mathieu a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver le responsable des deux meurtres? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Viens, Luc, nous rentrons au manoir. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Ouais. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luke et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes, Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je dois immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment, cependant il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et retrouver au plus vite. Layton, qu'est-ce que ça veut dire? Vous tenez vraiment à troubler l'ordre public dans ce village? La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur.
Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin, à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame ! Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin, Machu, vous voyez bien que nous sommes occupés, que voulez-vous ? Toutes mes excuses, madame, c'est au sujet de Ramon, il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer, mais... Oui, après la visite du professeur, je suis allée faire quelques courses au marché, pourquoi ? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord ? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez vraiment de rien ? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien. Veuillez m'excuser, inspecteur. Il faisait noir, j'ai dû me tromper. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village est une chose dont je me passerai bien. Parfait. Je vous souhaite à tous une excellente nuit. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Quand nous l'avons vu, on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être seulement perdu connaissance, mais cela n'explique pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme, moins d'une heure plus tard ? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé ? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception. D'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village, alors qu'à Saint-Mystère, c'est vraiment étrange. Il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléreraient pas une telle situation. Mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Ok. Kinji, la comparaison, c'est ça. Ah, on est le matin. Oui, très bien, ne vous inquiétez pas, je lui transmettrai le message. Oh, bonjour, j'ai reçu un appel pour vous de l'inspecteur que... quelque chose. De l'inspecteur Shelmay. Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Alors en route, Luc. Eh ben on y va. Tiens, tiens, regarde qui voilà, cette chère Claudia. Justement, ça me rappelle... Non ! Merde. Calme-toi, Bella. Oh, c'est mignon, il y a des petits chats. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Les exemples 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs
sur le plateau gauche d'une balance sur le plateau d'un autre. Ouais, c'est un chameau et un chameau. Qui va la faire pencher? Ah! D'accord. Donc. 1, 2, 3, 4. Donc 4 chats blancs, ça fait plein de chats noirs. Ça fait 2, 2. Attends. Ça, ça pèse autant que 4 chats noirs. Donc là, si on enlève tout ça, ça pèse autant. Ok. Et 2, ça pèse autant que 3. Et 3, ça pèse autant que 2 chats noirs. Moi, je dirais que ça va pencher vers la... Vers la gauche. La droite, la droite. Ça va pencher à droite. Ça va soulever les nécos rouges, là. Je pense. Des maths, trop bien. Mais attends, je... J'ai un doute. Moi, je dirais que ça pencherait à droite. Bah non, pencher à gauche, je veux dire, ils vont être soulevés, donc c'est... Ouais, c'est à droite que ça va pencher, ouais. Moi, je dirais droite. Ah, mais ça peut aussi rester au milieu, aussi. Ça peut rester stable, si jamais c'est le même poids. Soulever des nécos, exactement. Je réfléchis. Trois rouges, alors trois. Trois rouges, ça peut être deux chats noirs, un chat. Je dirais que ça va pencher à droite. J'essaye, hein, mais... Je pense que ça penchera à droite. I think I've got it. I've let you down, professor. Soulever Nekio. Ça. Bah, j'ai réfléchi, Nekos. J'ai réfléchi, mais je me suis trompée. J'ai cru que c'était... J'étais persuadée que c'était ça. Bon, c'est pas à droite. Est-ce que ça pencherait à gauche? Je vais voir ça. Parce que 3 chats rouges, ça fait 2 chats noirs et 1 chat blanc. Ah, en sachant qu'il y a des chats noirs aussi. Sur l'autre côté. Soulever Nekio. Faut réfléchir au moins foncer dans ta nana à des trucs. Mais c'est pas des Afenzo. Je sais pas. C'est la mer noire. Mais attends, je réfléchis. Il me reste 15 minutes. Je vais pas rester bloquée là-dessus quand même. Alors. 3 rouges, ça fait...
Oubé Puya. Non mais non, j'ai envie de garder mes Picara déjà là, j'ai... Je me suis trompée une fois. Bon. Je vais recommencer le schéma. Déjà, les trois rouges là, ça pèse autant que un triangle. Ok. Donc là, c'est le même point. Quatre chats noirs. Et quatre chats blancs. Ça pèse 5. Attends, donc 4 chats blancs égale 5 noirs. Donc, s'il y a 4 chats blancs avec 4 noirs, 4 chats noirs, ça fait. Du coup, ça va pencher à gauche alors. Vu qu'il faut un chat de plus, là, il manque un chat. Si c'est différent là, parce que. Ah oui, mais j'oublie qu'il y a un chat noir en plus. Moi je dirais A. Hein. Je pense que ça pencherait vu qu'il y a un chat en plus. Le noir, le blanc. Non, le noir, pardon. Non, il manque un chat noir donc. Moi je dirais A. J'ai pas le droit à l'erreur parce que si je me retrompe là, c'est foutu. Ça va pas tarder à tricher. Non, je triche pas. Je triche pas là, j'essaie de réfléchir. Mais je me dis que c'est A, mais je suis pas sûre. Allez, elle triche déjà là. Non. T'as trouvé la réponse ou tu fais dodo? Écoute-toi sinon. Bah moi j'aurais dit A, mais c'est peut-être possible que ça pèse le même poids. Parce que je me dis comme il y a un chat, il manque un chat noir. Donc techniquement il pèserait plus lourd que les chats blancs. Mais je suis pas sûre en fait. J'ai un doute là. Et comme j'ai pas le droit à l'erreur. Bah, j'ai un doute, vas-y. Est-ce qu'il manque un chat? Là, c'est 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est là. Vas-y, je dis gauche. How does this sound? Yes. Oh. Lightning's apprentice saves the day.
Au travail. Si vous remplacez les chats rouges sur le plateau gauche par leur équivalent en chat blanc. Ah ouais, d'accord. Une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile, non? Ah ouais, logique, ouais, logique. Allez. On va aller voir l'inspecteur. Et après ça, on va se coucher. Il va être minuit. Bah alors, ils sont où? Moi, je coupais les chats en moitié. Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré. Ah, vous parlez d'un majordome? Je suis vraiment désolée, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. Leur simple vue me donne la nausée. Vite, faites disparaître ces saletés. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Hmm? Ah, Layton, vous voilà. Là, Ginji serait en larmes. Vous m'avez fait demander, inspecteur? Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai du travail qui m'attend. Compris, bonne journée, inspecteur. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Je ne peux vraiment pas le supporter. Allons. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Vas-y, vas-y. De toute façon, on va pas tarder non plus. Je parle un peu et s'il y a une énigme, je me sauve. Non, je fais pas l'énigme, non. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Comme vous voyez, il a la tête d'un donneur d'énigmes. Je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Vraiment, voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Alors, où allons-nous maintenant? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur, Luc. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah! Votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Et bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons donc demander au majordome s'il sait quelque chose sur ce trésor. Il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or. Explorez le village pour trouver des indices. On arrête là? Il est 55. Allez, au dodo. Ouais, allez, on s'en va. Ouf. Bonne nuit. Il est pas minuit, on s'en fout. On va se coucher. On a bien travaillé là. C'est bon. Alors, du coup. Ah bah, il y a Nekyo en plus. On va aller voir Nekyo. Hop. Allez, Nekyo. Voilà. Allez, mon petit Nekyo. On y va tous. Nozi doit se préparer pour demain. Exactement.